mighty journey. What a mighty journey. Donc, on dit merci avec tout Zambi New York, mon qui est déterminé pour aider nous à continuer notre vision. Donc, nous dit merci, parce qu'on dit merci avec nous toutes, parce que nous avons pris une détermination pour nous participer. Donc, il y a le monde qui a eu une opportunité pour nous participer, mais nous pas participer, mais au même nous fait tout ça qui dépend de nous pour nous participer. Comme je dis ça rapidement, songez bien, ce n'est pas un concours, comme un concours, mais c'est un sens d'inspiration. Nous voulons inspirer pour aller plus profond dans Jésus-Christ, pour aller plus loin dans Jésus-Christ. Pour qu'on ait, il dit, son devoir que Jésus-Christ bat nous. Dans Matthieu, chapitre 28, ou après, quand il dit, c'est pour nous aller dans tout le temps, tout partout. Toujours mentionner ça. Il dit, pour nous tout partout, pour prêcher l'évangile, tout partout. Nous avons besoin de monde pour camper, pour capable de répondre avec travail ça. Nous avons besoin de monde qui pour marcher, il faut aller porter cette bonne nouvelle à toute la création. Donc, jeune ou pas trop petit, pour prêcher l'évangile. Quel que soit l'âge ou gain, quand prêcher l'évangile. Regardez même Jean-Baptiste en avant. Lorsque Jean-Baptiste rencontra Jésus-Christ, Noé, monsieur, il tressaillit de joie. Monsieur, jumpé, monsieur, dansé en avant, maman. Donc, il est extrêmement important de comprendre que l'évangile Jésus-Christ a besoin. Attendez bien. La question, on a demandé qu'est-ce qui va gagner. Okay. Qu'est-ce qu'on a bien? Qu'est-ce qu'on a mis ça au cap bien? Et puis nous gagnons Melissa Wilner, vidéo par la télé 676. Alors, on dit ça, il y a tout gagné. Tout le monde gagne. Vous savez, on dit tout le monde gagne parce que tout le monde qui obéit, parce que obéissance est le premier qui sacrifice. Donc, so, tout le monde gagne. Tout qui participe, nous gagnons. Donc, nous gagnons parce que. Gagnant, hein, commencer d'abord avec obéissance. Obéissance, premier bail au fait, ou bail la voix à Jésus-Christ. Deuxième bail au fait, donc accepter pour répondre avec invitation ça. Donc, le fait que vous participez, vous déjà yon gagnant. Le fait que vous obéissez avec la voix de Jésus-Christ, avec vous pour abondir, vous participez, donc ça veut dire vous déjà gagné. Ok? Mais, ou ça va aller humainement parlant par rapport avec une discipline ou bien règlement qui est déplacé ou événement concours donc nous voulons actually prendre un monde qui doit porter première place à sens humainement pas nous dit regarder dans la première vidéo à noter dit jusqu'à 11 octobre, jusqu'à 11 octobre, à partir de 11h59, dans la soirée. Donc, on a écrit et nous avons comme view et nous avons gagné dans la vidéo. Ça fait notre effet, ça. So, nous avons par exemple, nous avons gagné Olgi André, dans le jour qui était 11 octobre 2021, la vidéo parlant de gagner 187. View la donne. Okay? 187 view que vidéo Olgi André Teguin le 11 octobre 2020 dans 11h59 dans la soirée. Now nous gagnons Amotis Jean Wisnik, il y a 250 view and then nous gagnons Ernest Michel, vidéo par là, de gain 256 views. Nous gagnons André Johnson, vidéo par là, de gain 556 views, 676 views. Et nous gagnons Delicien Max Soden, vidéo par là, de gain 741. So, juste dans la vidéo seulement, nous avons monde qui était pour la première place là, c'était Delicien Max Soden à 741. View et puis deuxième dans c'est Melissa Wilner, troisième dans c'était
André Johnson, qui était 556 views. Donc, l'important pour nous comprendre, non, malgré views extrêmement importants, mais message que vous prêchez, message que vous partagez, l'extrêmement important, ok? L'extrêmement important. Je te dis ça. Clarité dans le message là, est important, ok? Contexte message là, extrêmement important. Et encore, nous avons audience, participation, audience, l'extrêmement important. So, c'est ça que nous avons, dans la première place, dans la première vidéo, nous avons au niveau des views, donc c'était Max Soden qui était gagné en première place là. Et puis nous avons Wellness en deuxième place. Et puis nous avons André Johnson en troisième place. So, now, nous n'avons pas de fin qu'on y a, c'est vraiment qui monde cap gagner le prix. Ça je sens bien, vous voulez pour nous comprendre bien. Donc vous voulez vous comprendre bien. Nous parlons humainement parlant, ça c'est le prix qui n'a pas non seulement au niveau humain, non au niveau humain. Je bien, travail ou faire, il y a deux aspects là-dedans, il y a un aspect spirituel qui est extrêmement important, qui j'en bon dire well, alors qui commence avec cœur. Alors, détermination, passion pour bon Dieu, l'amour pour bon Dieu. Donc, bon Dieu, ouais, comme ça, en deuxième lieu, nous regardons nous-mêmes qui c'est homme nato, okay, qui gens nous réagir par rapport avec l'instruction que nous devons pour te suivre. Donc, c'est important, voilà, bon Dieu en premier, et nous-mêmes, même point que nous devons, est totalement en dernier. C'est qui vous a gagné? C'est qui vous a gagné? Dame, mettez commentaire. Qui est-ce que vous pensez qu'il a gagné? Je vous dis à vous, mettez commentaire. Qui est-ce que vous pensez qu'il a gagné? Songez bien, ce n'est pas seulement view. Vous n'avez pas gagné pile view, vous n'avez pas gagné en première place. C'est important que vous compreniez ça. Donc, dame, Thomas, c'est tapé. Qui est-ce que vous pensez qu'il a gagné? Premier prix. Nous songez bien, premier prix, non? Nous avons gagné 11,500 gold. Qui est-ce qui a gagné 11,500 gold? Qui est-ce qui a gagné? Dans mon métier, commentaire, qui est-ce qui a gagné? Songez bien, ce n'est pas seulement vidéo, ce n'est pas seulement view. Donc, il y a clarité, il y a contexte aussi qui est pris en ligne de compte parce que Jujio, c'est eux-mêmes qui baillent notre saillot. Pendant qu'ils vont regarder mon autre complice, assurez que vous partagez les bons amis qu'on a. Fais ça, s'il vous plaît. Et il y a un lien dans la vidéo à tout pour la deuxième édition. Donc, vous-même qui regardez, c'est appliquer, n'a seulement accepté 100 moun seulement. 100 moun seulement qui n'a pas accepté pour deuxième édition. So, si vous regardez, mando tampri, et en prenant link là, participer, faire un ami connaît, faire un femme connaît. www.apostolosinstitute.com. So, ça c'est main page là, alors il y a une page pour ça. Ou à cliquer dans Apostolos TV, ouais, ou à voir côté que marqué Apostolos, ou à cliquer là-dedans, l'arrivé là-dedans, donc ou à lire, ou à prévisionner, cliquer dans next, click next, and then gagnez une vidéo sur capable de lire tout ça, prix que nous bail présentement, les bons pour garder vidéo ça que ou à pouvoir là, fini, on finit faire ça, on y a ou cliquer là pour capable remplir formulaire, vous cliquez là et puis vous remplir formulaire ça. Alors premier 100 monde qui appliqué, c'est au même qu'avez possibilité pour participer dans édition ça. Remplir formulaire ça, OK? Répondre question ça yo remplir yo. Ouais, remplir yo lorsque fini qu'on y a et puis vous pesez un bouton ça qui marqué envoyer submit form. So vous pesez ça. And then c'est tout. Et pour gagner moins que 37 années ou capable participer, à fait c'est ça. Et pour gagner moins que 37 années ou capable participer dans deuxième édition ça. So please, et puis qu'on y a
participer, prendre le link là, connecter, faire un ami connaît. Chaque monde fait un, at least 5 monde connaît pour nous capables de gagner 100 monde. So, 100 monde, premier 100 monde qui enregistré, il y a même une possibilité pour nous participer dans la deuxième édition. Ok, nous te remercions pour ça. Merci à tout le monde qui participait. Et comme ça, vous participez avec temps, vous participez n'importe façon de participer. Nous te remercions pour ça. Parce qu'au bon temps, vous allez garder les participants. Ok? Je dis un gros merci avec Delicien. Nous dis merci avec Mélisse. Ok? Merci avec Ernest. Nous dis merci avec Amatus. André, nous disons merci. Nous disons merci parce que vous participez pour lever vos défis. Nous disons merci pour ça. Merci, 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 merci. Que bon Dieu bénisse. Et nous voulons faire connaître pour préparer pour l'autre édition si vous participez. Nous pensons que tout le monde qui vient connaître, qui vient reconnaître des bagages de la caillou, peut-être que vous ne connaissez déjà. C'est bizarre. Et parce qu'il faut que nous développions quelques jeunes, quelques possibilités pour découvrir quelques cadeaux que bon Dieu mette la caille. Bon Dieu mette la caille, ok? So nous disons merci parce que vous avez répondu avec appel ça. Nous souhaitons, on leur fait plus de monde à participer, right? Plus de monde à participer et puis on fait plus d'efforts toujours, ok? Après ça nous dit encore continuer après édition ça a fini puis go mettez bibi à terre puis go mettez talon à terre et continuer et prêcher l'évangile là dans comment dit ça dans quartier la caillou en nous continuer pour nous prêcher bonne nouvelle là parce que c'est pour ça bon Dieu voyez nous sur terre pour nous car bon Dieu sauve nous et lui voyez pour nous albay bonne nouvelle là avec l'autre monde. OK, c'est ça que fait moi dit nous continuer faire ça puis car seulement nous fin faire ça et puis après ça nous juste mettez bien nous attendre nous dire que ça fini non continuer annoncer bonne nouvelle là tout partout pour que puis l'or revienne dans ciel pour avoir une récompense. L'autre femme d'armée ou quelques mesdames qui participent parce que dans communauté ma pile communauté bon connaît spécialement dans la communauté haïtienne do bay fi défi et fi pa ka prêcher l'évangile ou bien ça ou dit ça yo bay fi défi fi pa ka monter chair ça me veut faut connaît de pour gain Saint-Esprit en dedans quelque comme ça c'est fi quelque comme ça c'est garçon et ou ka bay belle nouvelle là est-ce qu'on gain bouche OK puis qu'on quitte sa religion dit ou quitter cadeau bon Dieu mettez en dedans là dehors pour quitter cadeau bon Dieu mettez en don là pour quitter le cacher l'arrivée dans ciel sous son monde qui accepte Jésus qui comme sauveur personnel l'arrivée dans ciel bon Dieu parle donc qui sortait fait avec cadeau moi te mettez en don là ou pas qu'a dit bon Dieu oh parce que l'église quand elle me dit anti moi pas qu'a monter chez non c'est qui ça la Bible dit dans la Bible il montre dit comme ça pas une différence entre garçon ni femme laisser dans moment pour prêcher l'évangile pas de ça parce que garçon gen bouche ou gen bouche c'est bon Dieu mettez Saint-Esprit en dedans moi même il mettez Saint-Esprit en dedans pasteur Yves ça veut dire si bon Dieu qui mettez Saint-Esprit en dedans comment faire on l'autre monde dit comme ça moi pas prêcher bonne nouvelle là aller dans l'école register pour qu'à participer l'autre fois on t'a remis ouais quelques femmes avec 10 faits pour prêcher l'évangile et pour gagner 37 ou bien en bas ou qu'à participer ou qu'à participer. Ouais, on met au pas jamais qu'on est pendant ou à participer ou à partager parole ou pas qu'on gagne nom ou ca c'est pour ça c'est bizarre c'est nom pas rien comme c'est nom. OK, royaume bon Dieu c'est nom Jésus qui était étroni living sur terre pour seule raison pour qu'à libérer nom comme ta mais qu'on est qui est supposé capter qui est supposé capter moi c'est question ça qui est son d'arrêter. Est-ce que c'est Hans Michel qui a gagné? Est-ce que c'est Mélisse Wilner qui a gagné? Est-ce que c'est Orgy André qui a gagné? Est-ce que c'est Amortus Jean Wisny qui a gagné? Est-ce que c'est André Johnson qui a gagné? Ou bien est-ce que c'est Delicien
Mark Soden kap genyen. Li depan avèk ou menm. Li depan ki sa panse. Ki sa l'évangile la ye? L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était la préparation de l'évangile. Donc, là, qui t'a fait? Mais dans le Nouveau Testament, c'est la manifestation de l'évangile avec la venue de Jésus-Christ. Donc, on va pouvoir, dans Matthieu 3, lorsque Jean-Baptiste a prophétisé sur la venue de Jésus, donc, assurément, Jean-Baptiste était le dernier prophète donc, qui était prophétisé la venue de Jésus. Et Actes des Apôtres, c'est l'extension de l'évangile, ou encore la propagation de l'évangile. Les Épîtres, ils baillent explication de l'évangile là. Et Apocalypse, c'est la consommation de l'évangile. Pour entrer dans Actes des Apôtres, non? Donc Actes des Apôtres, la donne que nous préparons, c'est un moment. Donc, il était écrit par Luc. Luc lui-même. Donc, il était écrit l'évangile de Luc également Actes des Apôtres selon les commentaires. Parce que là, il est dans Luc 1er verset 3 et Actes des Apôtres 1er verset 1er. On voit que lettre ça ou encore et livre ça a été adressé avec même destinataire. On prend Actes des Apôtres 1er verset 1er, il dit: j'ai écrit dans mon premier livre, Théophile. C'est pour dire que Actes des Apôtres fait suite avec l'évangile de Luc. Donc, pour Luc, la mission de Jésus, c'est de venir sauver et chercher ce qui était perdu. Selon Luc 19, verset 10. Et Luc, lui-même, présentait Jésus comme étant l'homme parfait. C'est-à-dire pour que Dieu ouvre nous, c'est à travers, à l'intérieur de Jésus. Donc, cependant, le but des Actes des Apôtres, c'est retracer la façon dont les messages de la bonne nouvelle s'est répandu progressivement sur le contrôle de Dieu. C'est-à-dire de Jérusalem à Rome et des Juifs aux païens. Donc, nous dit quelle est la responsabilité du croyant en tant que témoin de Jésus-Christ. Responsabilité, c'est la charge donnée à quelqu'un. Donc, c'est le travail, donc c'est le devoir. Donc, témoin, qui ça nous témoigne? C'est un représentant. En quelque sorte, c'est un ambassadeur. Donc, c'est un monde qui est appelé à défendre, à rendre témoignage de un bagage ou de un monde. Donc, ça fait la Bible parler de témoins oculaires, c'est-à-dire ceux qui a vu avec ses propres yeux. Être témoin de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, au sens fondamental, c'est posséder le témoignage personnel certain de Jésus. C'est-à-dire reconnaître le divin Fils de Dieu, le Sauveur et le Rédempteur du monde. Donc, qui est-ce qui peut permettre à un monde témoin de Jésus-Christ? Un monde vient témoin de Jésus-Christ, c'est par le pouvoir du Saint-Esprit. Et ça fait texte à montrer nous que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ici, bien aimé, témoins à l'essence de la mission de Dieu, la volonté du Père, la responsabilité qui nous est confiée en tant que témoins de Jésus-Christ. Ou après, apôtre, après savoir que vous avez fini recevoir Saint-Esprit, donc puissance te descend automatiquement en dedans de vous. Vous avez fini puissant, vous avez fini performant, vous avez impacté le monde, l'environnement côté vous avez. Donc, bien aimé, frères et sœurs, vous serez mes témoins. Cela implique une invitation à participer à la missiologie, la mission de Dieu. La mission de Dieu. Donc, ça qui peut le voir, nous, notre première responsabilité que les croyants ont gagné. Première responsabilité, les croyants doivent proclamer l'évangile de Jésus-Christ auprès des perdus. Donc, proclamer, c'est publier, c'est annoncer. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Proclamer l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'œuvre la plus exaltante
de la vie chrétienne. Donc, Marc 16, verset 15, Libral dit que allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ici, aller a le sens de déplacement. Dit qu'il y a un sens de déplacement. Malheureusement, pile dans l'église, nous, ou après, pasteur a 10 ans, 20 ans, la pasteur est en l'église. Donc, il est juste contenté dans veille de nuit et jeûne, mais il n'est pas jamais voulu déplacer pour aller faire l'évangélisation. Et nous avons dit que toute église qui cesse de faire l'évangélisation, immédiatement, lui dit que lui est campé tout avec mission que bon Dieu en tant que l'église. Donc, prêcher le message de l'évangélisation, lui doué christocentrique, c'est-à-dire centré sur Jésus, pas que l'autre but que vous pouvez développer dans le message de l'évangélisation, c'est Jésus-Christ. Et il y a un monde qui témoigne Jésus-Christ, mais ça qui peut accompagner d'après Marc, et le chapitre 16 et verset 17, Libral dit la bien et puissance pour chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais ça ne va pas accompagner. Et là, là le côté plus loin pour dire même que le tabou est quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ donne les stratégies dans Actes 1 verset 8 où après il dit vous serez mes témoins à Jérusalem. Ça a remplacé l'environnement côté a évolué. Il dit dans toute la Judée et dans la Samarie. Ça c'est zone au voisinage yo. Et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est le monde. Bien-aimés frères et sœurs, si dans les temps des apôtres, Jésus a fait choix de 12 disciples, 12 témoins pour attester sa divinité dans le monde entier. Aujourd'hui, Dieu cherche encore des hommes. Dieu cherche encore des jeunes filles, des jeunes garçons pour camper pour lui, pour prendre défense pour lui. Donc, il y a besoin des hommes pour camper, pour proclamer l'évangile de la rire saison. Et ça fait bien aimer à dire que le croyant, comme deuxième responsabilité, doit faire et former des disciples pour la croissance des âmes spirituelles. Selon Matthieu 28, verset 19, 20. Donc, la formation des disciples, c'est la tâche suprême de l'Église. La grande commission. Travers ça, c'est ce qui permet que nouveaux convertis hein, atteignent la maturité spirituelle. Et il y a trois étapes. Il faut qu'ils préservent. Deuxièmement, il faut qu'ils atteignent la maturité. Et troisièmement, il faut qu'ils reproduisent pour faire l'autre monde pour Jésus. Donc, bien aimés frères et sœurs, que faites-vous pour le Seigneur? Avez-vous déjà réfléchi sur votre responsabilité en tant que témoin de Jésus-Christ? Donc, quand il a dit, est-ce que vous ne connaissez pas qu'on est spécial? C'est où mon Dieu pour choisir, pour témoin? Donc, bien aimés frères et sœurs, il est temps de faire un vol de face. Il est temps de faire une auto-réflexion et pour répondre à l'appel du Seigneur, pour dire, mais voici, Seigneur, envoie-moi. Donc, nous invitons à participer à la mission de Dieu, donc à la volonté de Dieu pour l'homme, pour l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, après-midi, question que nous posons ensemble avec vous, nous dire qui côté ou t'a remis prêcher la parole de Dieu. Eh bien, frère bien-aimé, c'est même Jean Noël lit quand ta parole ça dans le livre Actes des Apôtres. Parce que le livre ça a été écrit pour un but bien déterminé. Eh bien, moi, je dis au Maxime, qui bon ou même, qui a regardé, qui a attendu, qui bon ou t'a aimé prêcher la parole de Dieu. Eh bien, moi, je dis au Maxime, pour prêcher la parole de Dieu, il faut avoir la capacité de prêcher la parole de Dieu dans votre famille. Ou bien possibilité pour prêcher la parole là, la caillou. Eh bien, si vous n'avez pas prêché la parole dans le foyer, la caillou, dans l'environnement, la caillou, côté au passé, eh bien, vous n'avez pas aller pour aller prêcher. Même si la Bible dit nous, aller partout et d'ailleurs, faire des disciples. Et puis, je vais dire pour aller, mais il faut prêcher la caillou d'abord. Il faut qu'on prêche dans le quartier la caillou, il faut qu'on prêche dans l'environnement la caillou. Et bien, c'est même gens, nous parlons, et dans l'acte des apôtres, verset 8 là, il va dire, une puissance si venant si vous, qui une puissance, c'est même gens, leur Jésus, qui est ensemble avec monsieur, il dit, monsieur, on va aller.
Lui dit merci au pralé, et la voyait au consolateur, parce qu'il parlait de merci au pralé. Il dit la voyait au consolateur, à savoir le Saint-Esprit. Et bien, ces mêmes gens, lui va dire dans le verset 8, lui va dire vous recevrez une puissance de Saint-Esprit si venant sur vous. Et bien, les puissances, ça vient descendre sur vous, Maxime, ou une possibilité, lui dit vous devez prêcher à Jérusalem. Faut qu'à prêcher à Jérusalem, non, la caillou avant. L'enfin prêcher à Jérusalem, ou pas le pouvoir pour aller dans toute la Judée, juste dans le dernier bout de la terre. C'est pour raison ça m'a dit, après midi, nous poser une question ensemble avec vous, nous dire qui côté ou t'as aimé à prêcher la parole de Dieu. Eh bien, m'a dit, Maxime, il y a un peu de monde qui n'a pas le pouvoir pour prêcher la parole de Dieu dans l'environnement de la caillou. Il y a un monde qui n'a pas la possibilité pour même prêcher la famille. La parole de Dieu, eh bien c'est pour raison ça matin, après-midi, moi dis qui côté ou t'en remet à le prêcher. Eh bien, frère Maxime, nous avons une possibilité pour nous prêcher la parole de Dieu dans la forme nous. Nous avons une possibilité pour nous prêcher la parole là, dans l'entourage côté nous. Et après ça, nous avons la mission. Eh bien, ça faut regarder plus le monde qui toujours à la mission, il y a monde qui échoue. Parce que si vous avez une possibilité pour prêcher la parole là dans le milieu côté, eh bien, là où déplacé, ou à Jérémie, ou à l'Okaï, là où déplacé, ou à l'autre département, j'ai mangé. Parce que les mêmes qui puissent se descendre sous, eh bien, comportement, comment ou agir, comment on parler. Hein? Tout ça, yo, si vous n'avez pas fait yo, dans la zone de la caillou, est-ce que vous êtes un serviteur, un servant de Dieu, et puis pour vous, vous avez dit, l'on dit, nous côté frère tel, nous avons dit non, il ne pas reconnaître frère tel, il reconnaît non, et c'est non pour vous-même que vous connaissez, mais là, on met non frère, il n'est pas d'accord. Et bien, c'est ça que fait, nous avons dit, nous devons revêtir, nous devons homme de nouveau, et parce que même gens, la parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, mais voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et bien, leur vie dans Jésus-Christ, c'est une nouvelle créature. Et bien, c'est ça que je vais dire après-midi, nous avons le pouvoir pour nous prêcher la parole de Dieu. La caille nous avant, nous déplacer pour nous aller de l'autre côté. Et bien, frère Maxime, je vais demander, dans les ça, vous avez une réflexion pour faire dans la vie. Hein? Pour est-ce que vous avez une possibilité pour aller? Est-ce que c'est pas côté ouya? Parce que si vous va prêcher dans l'environnement, si vous va prêcher dans foyer la caillou, eh bien vous avez un grand problème ou pas qu'à prêcher aucun autre côté. Eh bien c'est même gens les docteur Lika t'a adressé parole ça yo, c'est parce qu'elle te dit même gens si vous êtes un chrétien ou supposé un modèle, si vous pas un modèle, ou pas qu'à prêcher. Gè côté ou va prêcher, gè moun k'a pripé. Eh bien frère Maxime yo, nous ne pouvons pas quitter, nous ne pouvons pas rester trop ensemble avec vous. Mais je dis, restez dans Jésus, restez la caille Seigneur, restez, pas découragé, parce que nous connaissons un jour, trop être la guerre pour sonner. Non seulement ce Saint-Esprit là accompagne nous à Jérusalem, lorsque nous finirons de recevoir puissance ça, non seulement là accompagne nous à Jérusalem, l'a accompagné nous dans la Samarie et l'a accompagné nous jusqu'aux extrémités de la terre. Là, lorsque nous lisons passage ça, nous voyons côté Jésus fait promesse ça. Et promesse ça, c'est pas dans Actes chapitre 1 seulement promesse ça t'est commencé fait, mais son promesse qui t'est commencé fait depuis dans Jean 14. Depuis dans Jean 14, lorsque Jésus était avec les disciples, lorsqu'il t'a parlé ensemble avec disciples, mais il t'a enseigné disciples, moi qui pour m'aller, moi qui pour mourir, moi qui pour me quitter ici bas, même qu'on est, m'a voyé consolateur, qui c'est cet esprit de Dieu, m'a voyé consolateur, et consolateur ça lorsque lui dit, lui va là comme un bouclier, lui va là comme un protecteur, lui va là comme un professeur. Là, nous sommes dans Jean 14. C'est depuis là que la promesse a commencé à faire. Et la promesse a continué pour arriver dans Acte chapitre 1er. Quand Jésus a dit, vous recevrez une puissance suivante sur vous. Donc, la promesse a continué à faire. Et lorsque nous virons Bible, nous sommes là qui vivons ensemble avec moi. Lorsque nous virons Bible, nous dans Acte 2, nous parlons de la promesse qui a commencé à faire depuis dans Acte. Depuis Jean 14 là,
mais promesse ça la continuer et bien pour le fait dans acte 2 et c'est dans acte 2 et promesse ça il va l'accomplir. Quand cet esprit de Dieu va entrer sur monsieur au jour de la Pentecôte. Quand cet esprit va entrer dans la vie monsieur Sayo. Quand monsieur Sayo lorsque cet esprit a descendu sur yo. Amen. Lorsque cet esprit de Dieu descend sur monsieur Sayo. Et monsieur Sayo te commence pas de cas. Eh bien, que cet esprit a. N'est-ce que commence à remplir du Saint-Esprit. Lorsque, amen, lorsque cet esprit a terminé, monsieur a te commencé à adorer mon Dieu dans toute langue. Monsieur a te commencé, amen, amen, amen. Monsieur a te commencé à parler, à prier en d'autres langues. Et d'autres langues, ça, monsieur, vous avez parlé en chaque la parole en langue différente. Mais chaque nation qui est là, vous avez compris ça, monsieur, vous avez dit, et à travers, et langage pas. C'est la même. Plusieurs mille personnes pour le venir. Plusieurs personnes pour le couper devant du sang. Plusieurs personnes pour le dire, oh, Jésus, ça, certainement. C'est peut-être mon Dieu allié qui t'a évoqué. Tout le monde va couper les mains puissance parce que Jésus te promet lui. Et Jésus baille puissance. Et cette puissance me le panneau après-midi. Et cette puissance, ça dépend de côté où il est et là, regardez maintenant. Et cette puissance me le panneau. My God. My God. Cette puissance me présente. Mais c'est plus ça, je vais parler. En plus, il faut parler de grands pays qui ont une grande puissance. Mais puissance ça, il même dépassé tout ça, l'homme va avancer. Puissance ça, il dépassé tout ça, le docteur va avancer. Et puissance ça, il dépassé tout ça, la science va avancer. My God, my God, my God. Dans Actes chapitre 8, dans Actes chapitre 1. Et lorsque nous commençons à lire pour nous venir verset 8 là, et Jésus va dire, vous recevez une puissance survenant sur vous. Amen, 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 amen. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Maintenant, ça me donne ensemble avec vous. C'est qu'il est un monde qui a témoin. Qu'il est un monde qui a dit, il est témoin Jésus-Christ. Tout le monde qui a témoin dans le monde là, tout le monde qui a témoin. Tout le monde qui a témoin, mais une fois que vous pouvez recevoir puissance ça, mais vous pas qu'à témoin. Une fois que puissance ça, vous pouvez embrasser, vous pouvez qu'à témoin. Vous pas qu'à témoin après ça, vous puissance ça, vous venez de nous, mais il faut recevoir puissance ça d'abord. My God! My God! Il faut recevoir puissance ça d'abord. Et cette puissance ça, parce que dans Jean 14, Jésus a dit qu'il se sent la plaque comme un protecteur, la plaque comme un guide, la plaque comme un professeur. My God! Et ce jour, allez nous garder. Et pas deux pasteurs qui ont fonctionné, mais sans puissance. Et pas des apôtres, et pas des docteurs qui ont fonctionné, mais ont fonctionné sans puissance. En plus, il faut ouvrir la radio, ouvrir la télé, on t'a parlé de pasteur tel. Gros pasteur, gros bishop. Mais messieurs, ce n'est pas puissance là qui s'est guidé. Ce n'est pas puissance là qui mène dans le ministère. My God! My God! Ce n'est pas puissance là qui s'est basé. Et si j'aime ça dire ça, ou quand tout représentant sous tes ça. Ou car représentant un président, ou car représentant un docteur, ou car représentant un premier ministre, et ou car même amen, 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 mais ou pas besoin de représentant Jésus-Christ, ou pas besoin de témoin de Jésus, si que cet esprit de Dieu pas rempli. My God, my God, si que cet esprit de Dieu n'est pas rempli. Et on pas besoin de témoin de Jésus. Et ça me donne mon rêve. En plus, il faut nous dire,
Au chrétien d'arrêter l'aime l'école là. Yo chrétien d'arrêter l'aime notre travail là, l'aime notre marché là. Mais pas ça qui fait l'autre marché là. Yo un bon mauvais prix. Et bien oublier ce que mon puissance en dedans. Et bien camper pour toujours ensemble avec lui. C'est pas ça qui va faire l'autre bureau, mais vous dites, l'aime notre bureau, yo vrai chrétien d'arrêter. Mais l'autre bureau, oublier ce puissance là dedans. C'est pas 2-0 à faire tourner neuf. Mais faut que garder vie, faut que gérer vie, parce que puissance là, il vit. Jésus dit, ne pas mettre grâce, mais sous grâce. Et c'est pour faire mon bagage dans vie, qui représente comme grâce. Nous souhaitons arranger ça, au nom de Jésus. Et lorsque Jésus vient jouer nous, pour le bâcher nous, dans la dimension, pour le bâcher nous, dehors chien, nous pas très bon. Nous souhaitons que vous bénissez dans le message ça. Et je souhaite que vous partagez avec nous notre famille. Et pour être des amis en béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous déclarons ça sauvé au cœur aussi que vous béni. Déclarons ça sauvé au cœur béni. Que vous... My God, my God, my God. My God. Que vous béni qu'on doit prendre de nous là. Que vous béni à travers les réseaux sociaux. Que vous béni qu'on doit suite là. My God. My God. Ou même quand vous regardez sur Facebook. Ou même quand vous regardez sur YouTube. Que vous béni. Amen, 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 amen. Que vous béni. My God, my God. Quand vous êtes, vous faites contre vous, qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes, vous êtes. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Quand vous êtes, vous êtes. My God, my God. Hey! Quand vous êtes, vous êtes. Hey! Puisque cela. Quand vous êtes, vous êtes. My God. My God. Quand vous êtes, vous êtes. Vous êtes ma, my God. Vous êtes ma destinée là-dedans. Mais puisque ça m'a dit fait là-dedans. Mais puisque ça m'a dit fait là-dedans. My God. Mais puisque ça m'a dit fait là-dedans. Oui. Et pas des sous-vêtements qui volaient. Montrer de la monnaie visite. Avec puissance ça. Moi, je dis, my God. Oui. Il s'est fait courir devant puissance ça. Mais il s'est fait courir devant puissance ça. Il s'est fait courir devant puissance ça. My God. Il s'est fait courir devant puissance ça. Il n'est pas qu'à guébé. Remettre sous-vêtements. Que ce vêtement qu'a prémettre, que c'est moi pour là. Que ce vêtement qu'a prémettre, my God. Que destiné qu'a prémettre. Et bien, des jeunes garçons ont été faits fous. Hein? Mais c'est des suivants de Dieu. A blague contre ça, yo. Nous connaissons que la Saint-Esprit, ça descend sous, ou vient gagner une force, ou vient gagner un pouvoir. Même là, ça, Satan met campé devant. Il n'y a pas qu'à faire un yin, il n'y a pas qu'à atteindre nous. Parce que vous recevez la puissance, bon Dieu. Vous recevez le cadeau que bon Dieu baille là. Vous connaissez qu'il y a parlé au mal. Mais parlez mal, pas utile à rien. Il n'y a pas de place là. Parce que vous recevez le cadeau ça que bon Dieu baille là. Vous recevez la puissance, bon Dieu, en dedans. Et là, ça vient de pouvoir, ou une grande autorité sur Satan, le diable. Vous avez une autorité sur lui-même. C'est ça. Et de vous finir recevoir Saint-Esprit ça que vous dites là, de vous finir recevoir cadeau ça que vous dites là, vous avez toute possibilité pour parler d'autres langues. Vous avez possibilité pour parler en langue. C'est ça, nous regardons dans Actes, chapitre 2, le verset 4. Il dit, et ils furent tout remplis au Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est ça. La Saint-Esprit a fini de descendre sur eux. Tout est rempli. Et ils sont tombés parler en langue. C'est pour finir recevoir le cadeau de ça que mon Dieu baille là. Ils ont fini recevoir l'Esprit mon Dieu. Vous avez toute possibilité pour parler en langue. Vous avez toute possibilité pour parler en langue. Pour parler en d'autres langues. Pour faire miracle tout. Oui. Et dès pour finir recevoir le cadeau de ça que mon Dieu baille là. Ou pas honte pour annoncer bonne nouvelle Jésus-Christ là. Ou pas honte pour annoncer elle. Pas honte pour annoncer bonne nouvelle Jésus-Christ là. Elle dit, dès que vous finissez recevoir cadeau ça, faut que vous serviez Jésus-Christ comme témoin pour marcher annoncer bonne nouvelle à tout partout. Et ça dit des disciples. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le dernier bout de la terre, vos disciples allez pour annoncer bonne nouvelle Jésus-Christ là. Dans le dernier bout de la terre. Il faut qu'elle annonce l'évangile là. Et c'est ça l'apôtre Paul dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 9,
le verset 16. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. C'est ça. Apôtre Paul dit malheur à lui-même s'il pas annoncer l'évangile de Jésus-Christ là. Et malheur même, frère, action, tu recevoir cadeau ça ou pas marcher annoncer bonne nouvelle Jésus-Christ là. Ou pas marcher annoncer, ou pas marcher faire disciple pour ciel là. Ou pas marcher faire disciple pour Christ là. Malheur ou même. Tu finis recevoir cadeau ça que bon Dieu bail là. Faut qu'on marche faire disciple pour Christ. Faut qu'on marche faire disciple pour ciel là. Oui. Faut qu'on serve comme témoin. Tout côté au passé. Ou pas besoin d'autre pour annoncer bonne nouvelle Jésus-Christ là. Ah, parce qu'on recevoir Saint-Esprit là, ou recevoir cadeau que bon Dieu bail là. Ou pas qu'il doit honte pour annoncer bonne nouvelle là. Pas qu'à honte. Ou pas qu'à honte. Frère, ou pas qu'à honte seul. Dégagez-vous, annoncez bonne nouvelle Jésus-Christ là. Dégagez-vous pour recevoir cadeau ça, pour caler, pour annoncer bonne nouvelle Jésus-Christ là. Et ça dit, il dit, faut qu'on aille jusqu'aux extrémités de la terre. Ha, pour annoncer bonne nouvelle ça. Oui, que des moni, beaucoup des biens matériels, beaucoup des belles cailles, belles auto, mais toutes ces vanités, on va pas y loin. Mais cadeau ça que bon Dieu bail là, c'est le même qui va utiliser la vie. Ya, yeah, c'est ça. Elle dit recherchez le royaume et la justice de Dieu. Ah, cherchez le royaume lui, la justice lui. Et toute l'autre bagaille va venir comme des gui. Oui, cherchez premièrement le royaume lui et la justice lui. Toute l'autre bagaille va venir comme des gui. On cherche le royaume bon Dieu, on cherche la justice bon Dieu pour lui-même. Ou même frère, ou même sœur. On cherche justice, mon Dieu. On cherche le travail pour le royaume, mon Dieu. Au dernier jour, pour ne pas regretter. Elle vient recevoir cadeau ça, qui mon Dieu baille là. Pour ne pas regretter. Pour ne pas dire, ne pas faire rien pour lui. Ya, yeah. Faut qu'on travaille. L'on finit recevoir cadeau ça. Faut qu'on travaille pour lui. Faut qu'on travaille pour mettre là. Faut qu'on travaille. Parce qu'on finit recevoir cadeau ça, on finit recevoir Saint-Esprit, il faut qu'on travaille. Oui. Et de vous finir recevoir Esprit bon Dieu, il y a une possibilité pour faire miracle. Même si Jésus-Christ est capable de faire, capable de faire. Esprit bon Dieu, un don au couillard, ou capable de faire miracle. Capable de faire miracle. Ou pas gain, ou pas besoin de perdre rien. Ou pas gain, rien, ou pas besoin de crainte. Pas besoin d'une paix. Ou capable d'annoncer bonne nouvelle là. Ou capable de faire miracle. Ou capable de guérir malade. Ou capable de chasser des démons. Non, non, Christ là. Parce qu'on recevra esprit ça. Ou recevra cadeau que bon Dieu bail là. Frère Maxime, qui ça va attendre? Koulia, pour recevoir cadeau ça. Qui ça va attendre? On ne peut pas arrêter chita de yoa. Parce que au dernier jour, il n'y a pas de douce. Mais, on recevoir cadeau ça que bon Dieu bail là. On recevoir esprit bon Dieu plutôt. On marcher selon esprit bon Dieu plutôt. On recevoir cadeau ça. Et cadeau ça, il va utile. Il va utile et pour toute résure, la utile. Et pas pour un petit temps, mais c'est pour toute résure que la utile. Qui bon Dieu bénit. Quel est le rôle du Saint-Esprit de l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ? Généralement, les Actes des Apôtres se présentent comme un livre d'expansion de l'évangile de Jésus-Christ, car son but, c'est de retracer la façon dont l'évangile s'est répandu progressivement sur le contrôle de Dieu. Ce livre nous présente les stratégies missionnaires, les actes des apôtres, livre actes des apôtres, il montre nous des techniques lorsque pour aller prêcher la bonne nouvelle, il montre nous des techniques pour aller faire l'évangélisation,
pour aller prêcher partout, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ainsi, à premier verset 8, Jésus avait promis aux disciples la puissance spirituelle, une puissance qui devient de la volonté des hommes, de la volonté de sa femme, de la volonté d'un cousin, d'une cousine, de la volonté de son mari, mais qui vient directement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit permet aux croyants de recevoir la puissance spirituelle. Voilà un rôle du Saint-Esprit de l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ. Le sujet, c'est bien, quel est le rôle du Saint-Esprit de l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ? Le Saint-Esprit permet aux croyants de recevoir la puissance spirituelle. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu et la troisième entité de la Trinité. Lorsqu'on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Saint-Esprit-là, c'est la troisième entité de la Trinité. Il est la puissance de Dieu en action, sa force agissante. La puissance, c'est le caractère de ce qui est grand. C'est aussi le pouvoir de commander ou d'agir, force effective. Lorsqu'on parle de l'expression puissance spirituelle, mes bien-aimés, l'expression puissance spirituelle, mes frères et sœurs, c'est le pouvoir, c'est la domination, c'est l'autorité. Si vous t'avez fait retourner dans l'évangile de Jean, plus précisément au chapitre 14, Jésus t'a parlé avec disciples, il t'a dit que votre cœur ne se trouble point, parce que Jésus t'a parlé à Seigneur. Je prophétie a été fait là parce qu'elle t'a gagné pour l'enlever. Au verset 16, il leur dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Amen. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Ce consolateur, c'est bien le Saint-Esprit. Consolateur, ça, c'est cet esprit. C'était une promesse qui pourra le réaliser immédiatement au jour de la Pentecôte. Dans Actes 2, le verset 2, t'es gué au vent, hein? Il va dire t'es gué au vent, t'es gué au buis, qui t'es fait côté de tes réunis, hein? Mais si on est vraiment rempli avec puissance du Saint-Esprit, l'arrivée plus bas dans verset 4 là, il dit que vous êtes rempli avec cet esprit. Immédiatement, l'atmosphère a été changée. Frère M. Mabdou, n'importe côté, dans n'importe position que vous situez, depuis immédiatement le Saint-Esprit accompagné, immédiatement le Saint-Esprit avec vous. Ou pas pour contour, donc automatiquement l'atmosphère a changé spirituellement. Côté à toute bagaille vient changer. Mais bien aimé frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est pour me dire, bien aimé, la promesse de Dieu ne faillit jamais. Dans n'importe position que vous êtes, n'importe côté, immédiatement le Saint-Esprit avec vous. Bagayo changé. Pour bien dire, frère, lorsque vous vivez sans Jésus, c'est être chargé. C'est de mal en pire. Mais vivre avec Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce. Mais bien aimé, nous pouvons repasser encore. Dans verset 4 là,
lorsqu'elle dit, elle est remplie avec cet esprit. Et puis, lorsqu'elle est remplie avec cet esprit, immédiatement, l'atmosphère a été changée. C'est pour me dire, bien-aimé, encore une fois, les promesses de Dieu ne failliront jamais. Et je voulais montrer tout. Chers chrétiens dans le Seigneur, à travers le message, ça, pas de côté, l'Esprit bon Dieu habité pour l'atmosphère pas changer. Pas de côté, l'Esprit bon Dieu habité pour l'atmosphère pas changer. Lorsque vous avez le Saint-Esprit de Dieu dans la vie, lorsque vous avez le Saint-Esprit de Dieu, vous semblez l'autre monde ou l'autre bagaille. Mais lorsque vous vivez sans Jésus, lorsque vous êtes dehors, vous êtes dans toute vie et bagaille, lorsque vous intégrez dans tout ça qui n'est pas bon, vous êtes dans l'autre monde. Mais immédiatement que vous avez l'Esprit bon Dieu habité en dedans, les bagaille changer, vous êtes dans l'autre monde. Dans la vidéo, je viens parler avec nous de la plénitude du Saint-Esprit. Et verset que nous allons considérer ensemble. Nous avons lu dans Actes, le chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après Jésus-Christ lui-même était fini ressuscité, il était réuni des disciples pour te parler ensemble avec eux. Côté, il a pu le quitter. Jésus-Christ a parlé avec les disciples dans une façon côté li pral voyer dans le monde là pour y aller prêcher la bonne nouvelle, pour y aller prêcher l'évangile, pour y aller servir comme un témoin de Jésus-Christ. Mais il te dit nous pas capable faire sans la puissance du Saint-Esprit. Nous pas capable efficace dans ministère ça sans la puissance du Saint-Esprit, sans le baptême du Saint-Esprit. C'est pour ça il te dit dans verset qui nous saute là. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit survenant sur vous. Parce que Jésus-Christ connaît qu'il n'est pas capable efficace sans la présence du Saint-Esprit. Autant qu'il y a un païen, ou du moins si un monde qui est dans le monde là, il n'est pas capable d'entrer dans le royaume là. Il n'est pas capable de subir ça qui nous relève la nouvelle création sans passer par Jésus-Christ. Et bien, je dis, de même, il y a un chrétien, il y a un monde qui est entré dans le royaume là. Il n'est pas capable de vivre le ciel sur la terre sans passer, du moins sans connaître le Saint-Esprit, sans avoir une intimité avec le Saint-Esprit, sans connaître la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut souffler comme le vent, on ne sait d'où il vient, d'où il va, mais le Saint-Esprit n'est pas le vent. Le Saint-Esprit est capable d'imager comme la colonne de feu dans la nuit, mais le Saint-Esprit n'est pas la colonne de feu. Le Saint-Esprit présenté sous toute forme ça y est, pour être capable de montrer nous son mode d'opération. Le Saint-Esprit, c'est une personne réelle autant que nous-mêmes. La troisième personne de la divinité, il est une personne. Le Saint-Esprit, il est venu pour nous la nouvelle nature. Il est venu pour faire nous ressembler à Christ. Parce que Jésus-Christ a dit, il n'est pas venu parler de lui-même, mais il est venu prendre ça qui est dans lui-même pour le nous. Petit lion, il est nature lion. Petit aigle, l'hypoté nature aigle. De même que petit l'homme, non, poté nature l'homme. Non. Mais le Fils de Dieu, il gagne la nature de Dieu. Ou même qui entre dans le royaume, non. Ou même qui vini le Fils de Dieu, ou gagne nature de Dieu dans vous-même. Ou si posé quoi ça, et ou si posé gagne conscience de ça, que ou gagne nature, bon Dieu, dans vous-même. Qui donc, tel il est, tel nous sommes. Moi pas gagne nature divine dans moi-même parce que je travaille pour ça. Moi pas gagne nature divine, non, parce que moi fais des œuvres. Le Saint-Esprit n'est pas venu non seulement pour ben nous la nature de Dieu, mais il est venu pour ben nous la puissance de Dieu. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit nous, nous recevons la puissance de Dieu. Lorsque que le Saint-Esprit lui-même lui descend sur nous-mêmes, pour nous capables puissants dans le monde qu'il voit nous, pour nous capables puissants dans le message nous, dans un monde qui est chaotique, dans un monde côté bagaille, a parlé de mal en pire, si nous ne recevons la puissance de Dieu, nous ne sommes pas capables de faire impact dans le monde ça. Parce que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Le monde ça, il a besoin que les chrétiens soient réveillés, il a besoin que les chrétiens, même, prennent place dans le monde ça.
parce que nous sommes le sel de la terre. C'est ça que Dieu attend de l'église, lesquels atteignent la dimension de l'époux. Côté nous commencer par marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Côté nous commencer par vivre le ciel sur la terre. Parce que c'est ça que Saint-Esprit a fait dans la vie chaque croyant, vient révéler Christ. Parce que Jésus-Christ te dit, il n'est pas venu parler de lui-même, mais il a venu prendre ça qui est dans moi pour le banon. C'est pour ça qu'il dit nous pour nous dire dans la prière nous, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Volonté, mon Dieu, qui est dans le ciel là. Bagaille extraordinaire qui a passé dans le ciel là. Le surnaturel qui existe dans le ciel là. Bon Dieu voulait que vous accompli dans le naturel. Bon Dieu voulait que vous manifestez sur terre. C'est pour ça qu'il dit nous, toujours demander pour volonté papa faite sur la terre. Mais le pape capable de faire sans la présence du Saint-Esprit, sans la puissance du Saint-Esprit dans la vie chaque croyant. C'est pour ça qu'il a besoin de réveiller pour nous comprendre que nous devons impacter le monde. Nous devons prendre place dans le monde qui est le sel de la terre. C'est pour ça qu'il dit dans la parole, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible montre nous que volonté bon Dieu lui-même, il y a trois dimensions là-dedans. Bon, agréable et parfait. Et il m'a dit pour discerner volonté ça. Il m'a dit au monde, ou capable bon devant mon Dieu, mais ou pas agréable à lui-même. Ou capable agréable devant mon Dieu, mais ou pas parfait devant mon Dieu. Volonté de Dieu lui-même, il y a trois dimensions. C'est ça qui verset à montrer nous. Il y a un monde qui abandonne le péché, il y a un monde qui entre dans le royaume, qui convertit. C'est un monde qui fait un acte qui bon devant mon Dieu. Mais dès que vous commencez par marcher par la foi, vous commencez agréable avec mon Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à lui. Mais dimension de perfection, c'est là que nous commençons par marcher par l'amour. C'est là que nous commençons par aimer les gens qui raillent nous. C'est là que nous commençons par aimer les prochains. Parce que la foi, est en dedans l'amour. L'amour est plus grand que la foi. La Bible dit, c'est trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Pour atteindre la dimension de l'époux, c'est là qu'il commence par marcher par l'amour. C'est ça cet esprit vient révéler nous. Pour atteindre dimension ça, côté nous parlerait même monde qui raille nous. Côté nous parlerait même monde qui a fait nous mal. Et ça qui travaille ça cet esprit a fait dans la vie chaque croyant, ressembler à Christ, atteindre la dimension de l'époux. C'est pour ça cet esprit a venu pour permettre nous discerner la volonté de Dieu. Pour permettre nous comprendre la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Mais la dimension qu'il attend de nous atteindre, c'est la dimension de perfection. Et qui vous parle marcher dans l'amour. Parce que la foi est dans l'amour. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit nous. Même là, on a parlé toutes sortes de langues. On a opéré toutes sortes de miracles. Mais si nous faisons sans amour, c'est la vie merci à terre. Parce que la dimension de perfection, c'est l'amour. C'est là que nous commençons par vivre dans l'amour. Pour atteindre la dimension de perfection. Ça. Parce que c'est ça. Le Saint-Esprit lui-même, les vient faire dans la vie chaque croyant, à savoir révéler Christ, manifester Christ dans nous-mêmes. Mais il vient non seulement pour nous la nature de Dieu, mais la puissance de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, pour nous revêtir de sa puissance. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables d'impacter le monde sur le plan économique, sur le plan spirituel et sur le plan politique. C'est pour ça. Nous prions bon Dieu pour vous-même qui avez regardé vidéo ça, pour vous-même qui avez suivi vidéo ça, que la puissance du Saint-Esprit lui-même les couvre, que l'onction du Saint-Esprit touche au côté hier, pour capable impacter entourage, pour capable impacter monde qui est hier, pour manifester Christ, parce que c'est objectif le Saint-Esprit. Fais Saint-Esprit, venez en mien. Parlez avec tout le temps. Le matin, lorsque vous levez, parlez avec le Saint-Esprit. Mandez-le pour le remplir. Il n'y a pas de meilleurs amis que le Saint-Esprit. Il n'y a pas de plus bon monde qui t'a enseigné la parole de Dieu que le Saint-Esprit. Il est venu pour enseigner nous la vérité. Il est venu pour montrer nous la vérité. Parce que Jésus-Christ dit nous, l'a conduit nous dans toute la vérité. Les mêmes qui sondent la profondeur de Dieu, le Saint-Esprit. C'est le monde ça qui aurait recevoir dans la vie ou là. C'est le monde qui habite dans vous-même, le Saint-Esprit. Il a demeuré avec vous jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même les retourne. Il ne va jamais quitter. Développer une intimité avec le Saint-Esprit. Et vous pourrez la gloire de Dieu dans l'autre dimension. M'espérez, message
ça allait même toucher un pile monde dans les noms précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'était serviteur Pao, Ernst, Michel. Bon Dieu béni. Donc, ok. Now, c'était une longue journée et quand y a un moment pour nous déclarer mon gagnant. Okay? Non seulement bien abonné, mais il faut faire l'autre monde connaître parce que travail ça en un travail évangélisation en digital. C'est un moyen, nous avons des gens qui connaissent Jésus à Paris, in Trinidad, Dominican Republic, Haïti, etc., qui connaissent les capes gardées hein, aux États-Unis, Canada, etc. Les capes gardées. Donc, lorsque vous partagez, lorsque vous abonnez, donc ça, c'est une évangélisation. Digital. Donc, est-ce qu'on est prêt pour nous déclarer gagnant et mission? Est-ce qu'on est prêt? Commencez par Pas jamais mettre dans tête que moun a vraiment pas jamais mettre dans tête que son voyage cap aussi facile mais son peut connaît c'est que ça qui ensemble avec quoi il pas jamais dormir il pas jamais kabicha donc yon nan bagay ou besoin gain ça relé détermination et hardiness all dit pour prier pour qu'il capable gain hardiness que nous capable aller et puis prêcher cette bonne nouvelle à savoir l'évangile de Jésus-Christ. Donc il y a un passage qui me t'a ramené ensemble avec moi dans Romains le chapitre 10 le verset 14 extrêmement important. OK? Nous-mêmes captander un message ça pour nous spécialement nous-mêmes participants. Donc fais attention avec ça. Dans Romains chapitre 10 le verset 14 m'a dit en anglais et puis après ça nous capable en français ou nous capable en créole donc dans la Bible pour là Romains 10 14 dit how then can they call on the one they have not believed in? How can they believe in the one whom they have not heard? Regardez bien dans verset 13 il dit everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Il dit mon qui rele nom ça qui est Jésus-Christ Nazareth y a sauvé mais dit comment pour moun sa yo rele non Jésus-Christ comment moun sa pou ba la vie à Jésus-Christ si pa gen pièce moun ki ale pote c'est une bonne nouvelle à yo même c'est en pleine fois nous avec un pile problème dans mi temps nous moun a fait discussion moun a fait pile parlant pile quand pile la jazz quand pile jalousie quand pile tirer pile pile moun a et non pile problème. Ok ça, c'est parce que pour comprendre le prix dans un grand nom, vous pas comprendre l'importance qu'il y a pour monde à prêcher l'évangile. L'évangile, prêcher l'évangile, n'est pas seulement avec ou seulement pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, professeur, etc. Non, prêcher l'évangile c'est pour les croyants, tout le monde qui croit dans Jésus-Christ.
tout le monde qui bat la vie à Jésus-Christ, tout le monde qui sont croyants, ils ont appelé, ils ont prêché cette bonne nouvelle. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas arrêté seulement en dans 4000, en dans un building. Sur l'évangile, Jésus-Christ est allé, il est sauté pour aller partout le monde. Isabelle dit, aller partout le monde. Aller partout le monde. C'est très important. Ce monsieur entendait bien. Même quand entendait bien. Il dit, verset 14, il dit, how can they call on the one that they have not believed in? Comment on capable de dire non, Jésus-Christ, tu n'as pas de connaître de lui. Tu n'as pas entendu parler de lui. Tu n'as pas connaître de lui. Il dit, how can they believe in the one whom they have not heard? Comment on capable de croire? Non, yon Jésus-Christ, yon pa jam tande moun pale de yon de li. Yon pa jam wè démonstration puissance ki vient nan non sa. To get that. Troisième question, li di, and how can they hear that someone preaching to him? Tande bien. Première question, li di, how then they call on the one they have not believed in? Number one. Numéro deux, li di, how can they believe in the one of whom they have not heard? Number three, how can they hear without someone preaching to them? Comment yon capable kwe nan yon Jésus-Christ ki yon pa jam tan de piyes moun pale, pa gen piyes moun ki jam pale yo de Jésus-Christ sa? Numéro quatre, li di, how can they preach unless they said? So, goun moun ki de déplacer, c'est ça que fait apostolos. Il vit là. Présence apostolos, c'est créer atmosphère ça. Ou pas seulement, you know, gagner une Bible dans l'église et puis après, on retourne, c'est tout. Non, mais pour qu'on ait une dévoie, une délégation de pouvoir qui Jésus-Christ va avoir une responsabilité. Donc, please, s'il vous plaît, moi, supplier nous, porter l'évangile là, Jésus-Christ, ça, fier d'être ou c'est une femme ou un homme de Dieu. Fier d'être ou son représentation de Jésus-Christ. Avec Paul dit, je n'ai point honte de cet évangile, l'évangile de Jésus-Christ. Il dit, pour moi, c'est puissance liée. Pour moi, c'est puissance. Pour moi, avec l'évangile, c'est la puissance de tout le monde qui croit. Et pour croire, nous devons porter cette bonne nouvelle. And look at that. Numéro 5e question, il dit, how beautiful are the feet of those who bring the good news? Tout le monde déterminé pour porter l'évangile Jésus-Christ. Il y a onction dans pied. Il y a onction dans pied. Il dit qu'on tombe de pied, on y va encore héritage. Moi, encourager nous. On nous continue à prêcher l'évangile. On nous continue à prêcher l'évangile Jésus-Christ. Sans intimidation. Continue à prêcher l'évangile avec autorité, avec conviction, avec puissance, avec intégrité. Car tout le monde qui est levé campé pour Jésus-Christ, il n'y a pas qu'à honte. Tout le monde est d'accord pour aller pour Jésus-Christ. La vie n'est pas qu'à échouer. La vie n'est pas qu'à passer, même avec tout le monde. Donc, m'encouragez-nous. Laisse tout mort. Laisse qu'on fasse mort. Laisse qu'on fasse mort. Le résultat qui n'a pas dans le concours, ça ne veut pas dire absolument rien. Des plans Jésus-Christ dans la vie, objectif Jésus-Christ dans la vie, et ça qui est réalisé dans Jésus-Christ. Donc, nous disons merci parce que tu as participé. On attend nous pour motiver l'autre monde pour édition, deuxième édition, et pour nous capables de faire de grandes choses, pour nous capables de faire plus de monde connaître de Jésus-Christ. Nous disons encore merci avec nous tous qui ont participé. Nous, c'était vraiment un travail, un pile à nous faire, un pile effort, parce que nous participer dans un concours ça. Ok, donc, I'm excited, that one for me, but I'm excited. Ok, so, nous, quelques secondes toujours pour nous capables de nous, qui est-ce, vous croyez, pensez, qu'il y a bien, n'appelez les commentaires. Ok, n'a pas les balles, on ne va pas garder mon Dieu dit qu'il gagne. Ok, on ne va pas garder, on ne va pas avoir un problème. Ok, performance.
all geek, et que vidéo là est seulement à 92 views. Donc, ma kit challenge en vidéo par là. Donc, il y a seulement 92 views. Et nous avons à Motis, vidéo là, il y a seulement 198 views. À data, ça aussi, mercredi 28. Donc, par rapport à mercredi 28, je vous dis ça, jusqu'à mercredi 28 pour nous capables de collecter qui vidéo qui a plus vu la dernière. Plus interaction. Donc, vidéo Olga 92, Jean Wisnik, 198, et seulement 263, et André Johnson, 360, et nous avons Delicien Max Oden, 697 views, et puis Melissa, 931 views. Now, attendez bien, il est important pour comprendre. So, par rapport avec point que juge au bail, so je m'étais dit non ça, vidéo qui est plus vieux, la toujours gagner des possibilités. Alors les possibilités, il est capable de gagner plus points. Donc par rapport à ça, c'est même genre nous gagner point qui on lui fait un total de 300 à 40 points. OK, ça c'est point que Jijo Bali 340 et then Amotis Jijo Bali Amotis 370 points et then Ernest Jijo Bali Ernest environ 400 points. OK. All right, 400 points. OK, 400 points là pour Ernest et puis André Johnson qui est 530 points. And nous gagnons Delice 548 points and nous gagnons Wellner gagnant 560 points. OK, 560 points. So now point yo plus a view yo so li important so déjà ban nou a final là. Donc nous gagnons Wellner là, so par rapport avec ça nous gagnons Wellner gagnant environ 931 views dans la vidéo parle là. So lorsque nous bail des 100 points ajoutés sur 560, so ça vient bail Wellner au total de 760 points. So l'extrêmement important mes amis, so Wellner gagne 760 points et nous gagne Delicien gagne 748 points. Wow! 748 points. So, si nous t'apprends, ça nous fait, nous prenons view yo, et le monde qui a plus view, nous seulement nous gagnons 200 points. Parce que pour view avec interaction, yo, maximum point que nous avons recevoir, c'est 200 points. Donc, c'est comme ça nous fait. So, c'est par rapport avec view, point, Jijo Bali, plus view yo. So, très très important. So, ça veut dire, à monde qui en première place ça, alors monde qui en première place pour concours ça, donc c'est Wellner Melis. Première place ça c'est Melis Wellner. Qui Melis Wellner. Wellner Melis qui gagne 760 points, et then nous gagnons en deuxième position nous gagnons. Est-ce qu'on veut dire non? Delicien Max Oden qui a environ 748 points. 748 points. Et nous avons Johnson en troisième position qui a 730 points. Donc voilà, nous disons merci avec nous tous qui ont participé. Moi vraiment excellent, vraiment content pour et fonon. Et then donc please continue now. Mais qui s'en a offert, n'a pas offert notre premier gagnant au lieu de noter Bali à 11 600 good, donc n'a Bali 12 000 good et puis n'a pas profité pour recevoir un boost pour étudier dans Apostolos Institute. Alright, un boost qui est équivalent à 128 000 good. Donc là, il y a 12 mois pour pouvoir étudier
dans Apostolos Institute. C'est seulement livrer ça sur la parole. Si tu veux étudier, pour approfondir, pour les sens dans la parole, pour capable grandir. Donc, premier place ça, n'a pas offrir ça. Deuxième place là, au lieu 6500 good, donc à la 27000 good, ok? So, deuxième place à 27000 good, et puis troisième place à environ 5500 good. Ça, participant ça, yo, troisième position, etc., etc. Donc, il y a pour recevoir plus de 5000 good chaque grain. Monsieur Sayo a recevoir 5000 good. Ok, et puis alors monde qui part gagner la première place ou bien deuxième place ou troisième place, donc il y a recevoir il y a recevoir un boost pour capable étudier plus na ba yo 5000 good chaque grain a recevoir 5000 good. Ok, excellent. Première place ça a recevoir 12000 good, deuxième place a recevoir 7000 good, et puis troisième place ça 5500, puis 4e, 5e, 5e, donc on a pris 5000 gouttes pour chaque, plus il y a une petite possibilité pour être capable de participer dans Apostolos Institute, on va qui est une école de ministère en Floride, donc on est capable d'étudier en ligne, capable d'approfondir connaissances sur ça pour environ 12 mois, qui est une bourse spécialement pour so, mes amis, merci, moi content pour les fonds, moi content pour tout le monde qui aide, participant, yo, tout le monde qui commente. Songez bien, c'est pas une bagaille qui nous commence pour nous arrêter, son bagaille nous commence et jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne, parce qu'ils sont dévoués ben nous pour nous capable faire ça. So, merci pour tout le monde qui peut encourager nous. Merci tout le stade Apostolos TV. Merci Pasteur James, Manata, etc., etc. Saint Marie, Apostol Colin, etc. C'est tout bel monde nous. Tout team Apostolos là, nous vous remercions parce que vous avez supporté, vous avez connecté, vous avez fait partie de grande vision ça. Et pour ces petits bondiers, vous devez prêcher l'évangile. Now, il y a monde qui fait une violence, mes joy. Même gens, nous avons des jeunes ça qui font violence. So, puis par pile monde dans les voies ou à travers le monde parce que d'accord pour faire violence à ces mêmes gens dans deuxième édition ça ou même cap garder konya ou besoin cliquer dans le link là, marquer le link là, écrire le link là pour qu'enregistrer mais dans deuxième édition on seulement accepte 100 monde. www.apostolosinstitute.com. So, ça c'est main page là, alors il y a une page ça, hein? On va cliquer dans Apostolos TV, ouais? On va voir côté qui marqué Apostolos, on va cliquer là-dedans, alors il y a là-dedans, donc on va lire, on va prévisionner, cliquer dans Next, click Next, and then, gagnez une vidéo, so capable de lire tout ça, les bon pour garder vidéo ça, qui va pouvoir là, fini, on va faire ça, on y a, ou cliquer là pour capable remplir formulaire, ou cliquer là et puis on remplir formulaire ça. Alors premier 100 monde qui appliqué, c'est au même qui a bien possibilité pour participer dans édition ça. Cela veut dire aussitôt que vous recevez ou j'ai l'information ça yo rempli pour capable yon na 100 monde ça. On n'a pas accepté seulement 100 monde. Remplir formulaire ça, OK? Répondre question ça yo rempli yo. Ouais, rempli lorsqu'on finit qu'on y a et puis on pèse un bouton ça qui marqué envoyer submit form, so on pèse ça and then c'est tout dans deuxième édition. So même make sure ou prendre pour frère là, prendre pour sœur là, prendre pour petits amis là et ça envoyer, partager, share link là déjà en bas vidéo là pour être capable enregistrer pour nous bailler information dans link exact qui dit les gens pour yon capable de faire ça. Donc, nous vivons dans la fin qu'on y a, dans la fin, première édition Apostolos TV à Miss Joy.
Donc, qui sont à l'année, dis-moi pour vous faire connaître. Parce que nous avons une deuxième édition qui va commencer. Registration formelle déjà en bas vidéo ça. Ou bien, vous avez joué dans la vidéo que nous avons dans YouTube, Apostolos TV. YouTube, so, nous demandons complètement plein de remplir et pour participer. So, deuxième édition, Miss Joy. Et quand on dit grandiose, quand on dit merci avec tout le monde qui a participé, tout le juge New York, Apostle Carlin, Pastor Jim, you know, Sœur Marie, Sœur Manata, tout le monde, and this joy again, nous on dit merci avec tout le monde qui a participé et run édition, première édition, et on réalité. Merci pour Jean-Luc, tous les amis de nous, you know, qui sont en Haïti, all my sons in Haiti, that also participent pour faire ça. Merci. C'est pas encore fini. So, Lisa, nous motivons la deuxième édition. Regardez bien, nous allons commencer depuis la semaine ça, pour pouvoir remplir la forme, et nous joindre. Si tu veux changer bien, nous avons seulement choisi, nous avons seulement accepté 100 monde, et 100 participants. Si vous avez une possibilité pour vous participer dans la deuxième édition. Restez là et on vous invite à connaître. Nous remercions pour ça et que vous êtes venus. Et nous vous remercions pour votre patience. Parce que tout ce que vous faites, vous pouvez recevoir quelque chose. Donc, thank you so much. Thank you for participating. Thank you for the video. Ou même qui pas de chance participer dans l'émission ça, participer dans l'autre édition. Et puis on bagaille, là on a des chances pour faire fait. Il va attendre, il va faire ça. Oh, parce que j'ai des mois de femmes à faire. Non, faire. Ok? Rapidement, de vous voulez faire ça pour faire et pour faire. Ok? Pas attendre. Il va attendre pour faire des mois pour être tout le monde à participer dans l'autre édition. Participe en hier. Et les milliers disponible. Non, il y a des disponibles. Il y a c'est que c'est le premier samedi. So, fait partie. Et donc, si vous êtes dernière minute, au pape la donne, you have to be part of the fell aussi tôt possible. Premier samedi, si je dis à nous que 100 mounions qui enregistrent, that's it. Si je dis à 100 mounions qui sont enregistrés pour participer à la deuxième édition, donc, et il y a un nombre qui nous gagne monde qui est en déterminé pour la donne juste Martinique, nous gagne monde juste Guadeloupe, gagne monde aussi Canada, nous gagne monde aussi même dans l'autre pays Haïti, etc. Donc gagne monde hier moi c'est un monde qui est enregistré, so gagne pas gagne monde qui est enregistré, gagne monde qui déjà enregistré, so place yo très très limité, so nomado depuis qu'on y a étant rempli formulaire là et puis vous pouvez préparer vidéo pour qu'on fait nous joindre aussitôt possible et puis avec la paix ou même qui pas de chance participer once again pas découragé participer dans notre édition 1, OK, and then you are winner because you participate, you are a winner, OK, parce que tu as participé ou gagné, parce que tu as participé ou gagné, because you participate, you are a winner. All right, que bon Dieu bénisse nous et avec la paix. Shalom. Now, as you know, the gospel is free, but it does take, you know, finances to move and to carry this great commission that Jesus has given us. So I'm asking you right now, just whatever the Lord is placing your heart to do, just whether it's 20, whether it's 50 or 100 or 1,000, please, I want you to make a sacrificial contribution now to this great works that God has given us here at the Milko Embassy. So let's go ahead and do it now. Get the information down below this video. Find the information. You know, just go ahead and you can go to the website or you can call the office directly. But let's go ahead and sow your best seed. Offer unto the Lord the best seed. Okay, so at the $20 or $100 or $200, $1,000, etc. Go ahead. Allez, Konyana. See internet en bas ou bien really officer capable. Investi na travail sa ki bon ti pa nou. An fè kon ya. Mwen mè ou, merci, and God bless you. I want to send you one of my book. Dame vwe yon nan liv ke nou ekri ou mèm. So, just go ahead. Ale kon ya, ofri, ofri, ou nou rebondi avèk ofri nou. E fè, just voyon an email
ou bien un texte message fait nous connaître ou faire offre nous et envoyer un livre, un livre que moi personnellement m'a écrit pour capable bénir nous. Merci, Père Mère, et shalom, et shalom, et shalom.